C'est en toute fraternité et en musique que le pape François a rencontré les acteurs religieux locaux hier soir à Maputo. Une église rythmée par les démonstrations de danse et de chants traditionnels interprétés par les femmes et les enfants d'église. Au même moment, il reçoit des mains de membres de clergé une sépulture en bois. Face à lui, les fidèles et à ses côtés les leaders religieux, des cardinaux, des prêtres, toute une congrégation attentive au message que le souverain pontife tente de faire passer. L'église au Mozambique est invitée à devenir l'église de la visitation. Elle ne peut pas faire partie du problème de la rivalité, du manque de respect et de la division qui oppose les uns aux autres, mais plutôt une porte à des solutions, un espace où le respect, les échanges et le dialogue sont essentiels. Père, Fils, Esprit Saint. Le pèlerin de la paix continue son périple au Mozambique. Cette deuxième journée est marquée par cette grande messe au stade de Zimpedo, rénové entièrement après le passage des cyclones Idai et Kenneth.